kajinga jingo mai akumva umuntu umpatukile banje impafuka ntangila umuna umuntu akumpatwile ichingo chivuni mushindo wakunyema kabijito wakulukushala nani we muyanje ngushipa wakunyangile jibakajani La violence sexuelle, c'est d'abord un fait réel qui se retrouve dans tout le pays de la RDC. Ce phénomène ici a existé depuis longtemps. Peut-être ça passait inaperçu, mais avec la recrudescence de violence, la recrudescence de guerre, la recrudescence des conflits, c'est ainsi qu'il y a eu de violences sexuelles un peu répandues dans tout le pays. Dans nos consultations, nous recevons des enfants, même des moins de 5 ans, et aussi des mamans en âge de procréation, des mineurs à moins de 18 ans. Et surtout, ces viols, pour la majorité des cas, c'est sur la route d'accéder sur les activités, pour aller au marché, pour aller sur les activités déjà, parce que la plupart de la population dans la zone sont des cultivateurs. Normalement, un cas de violence sexuelle doit se présenter dans la consultation après, dans le délai inférieur à 72 heures pour qu'elle reçoive la prise en charge à totalité et dans la prévention des maladies qui peuvent être comme conséquence des violences. Parce qu'une victime de violences sexuelles, c'est un cas d'urgence et ne doit pas traîner dans la prise en charge. Nga kabe nga kushoko kabwalu, bumu vuchemu patukumu yekwenda masanji kulusekato, nga kamba. Na kujamba janyiji mvumwamba, Muluma wakapeta kanyinganyinga kabunyi wakapatuka yeye mu nzubu. Na ukunshila banaba muluta tulwa bunyi bintu biba zala kumbe lumitonda nga kapeta luta tulupita. Na ku akalo kumpatula mema ku nzubu wakalo kwangata mpinje bana washala nabu meme nga yengenda nkenguluka. Jimukenga bikole. Une femme mariée qui a été violée aux côtés de son mari et ses fils. Et pour l'éducation que nous avons, les maris, pouvoir, c'est comme si la femme elle a sué la maison. Donc toute la famille se sent un peu humiliée. On oublie la souffrance que cette femme-là est en train de subir et on la rejette en plus de ça. Dans certaines cultures, la communauté ne l'accepte pas comme une survivante. La traite d'être à l'origine ou la cause de cet incident. On la marginalise,
on la stigmatise et cette femme peut être poussée même à une dépression qui peut même la pousser à tenter de se suicider parce qu'elle n'est pas acceptée, elle n'a pas le soutien et l'accompagnement de sa communauté. Bumo jimpinjeu ni mushikile. Ntunga ngele menjani. Mpinga nenkale nkangenza na shabwenza benshale andumba. Kaji barriere munene wane bana boso bakaba kole. Bena fami wabu bita bujemene bwakupinga na kaji chini mushindo ameme kufute bintu biji balomba bwani. Nous, par exemple, dans notre structure, nous avons reçu beaucoup de femmes comme ça rejetées et la famille exige à la femme, pour entrer ici, tu dois payer des amendes. Des amendes, ce sont des chèvres, des amendes, ce sont des poules et la femme se retrouve n'ayant et elle ne peut pas prendre son argent de la poche. Donc, elle se retrouve dans des conditions où, à son niveau, elle est victimisée doublement. Mubiki wanyu meme uju sam. Nungu nyu chanu yebe ya mjulu ya mwusini lupi ngana anu paswa mbomu mbiki wa mwuti bimu. Tuwa jikumpa na kwa nyu mbiki wa mkankama nupi tayo mjumu wa kwenzi. Onsu juwa wa mburi shazamba mbamu nito mjumu wa uju mwakali wenzi pete chakuja mjiku.